السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم. مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الدرام ورامي، وشد من سغاب أحشاءه وطوى تحت الحجارات كشحا مترف الأدم. مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه، فأراها أيام شمام، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصام. مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي، فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوان مقتحم. مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل خير منفصم. فقى النبي إنا في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالزهر في ترف والبدر في شرف، والبحر في كرم والدهر في همام. كالزهر في ترف والبدر في شرف، والبحر في كرم والدهر في همام. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
كأنما اللؤلؤ المكنون في صداف من معدن منطق منه ومبتسم لطيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. Chers frères, nous remercierons en premier lieu Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous a accordé l'opportunité de s'asseoir quelques minutes après le tarawih, faire un petit sacrifice de temps pour apprendre, comprendre quelques points de sa belle religion, l'islam. Ensuite, nous remercierons aussi Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait parvenir à cette dernière décade du mois de Ramadan, la décade la plus intense, avec comme point d'orgue la recherche de la nuit d'Al-Qadr, la nuit la plus vertueuse et la plus valeureuse de l'année. Le sujet de ce soir ne portera pas sur la nuit d'Al-Qadr. Bien qu'on restera dans le thème de Al-Qadr, on va essayer d'exposer quelques points à propos de la révélation du Saint-Coran par le biais du Wahy. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset très connu « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » très certainement, Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit de Al-Qadr. Avant toute chose, il convient de savoir que le Coran est descendu deux fois. Une première fois en totalité, depuis le Lauh Mahfouz, la table gardée, jusqu'au premier ciel, et ça c'était pendant Laylatul Qadr. Et une deuxième fois, portion par portion, morceau par morceau, ayat par ayat, sur une période de 23 années, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette révélation morceau par morceau, la première fois, elle a eu lieu aussi pendant Laylatul Qadr. Dans le récit très connu, tout le monde connaît, dans la grotte de Hira à Makkah Mukarrama, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ses premiers versets du Coran, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, par le biais de l'ange Jibril alayhi salatu wa salam. C'est pour cela que ce Coran, on l'appelle le wahi matlu, la révélation qui est psalmodiée, qui est récitée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le reçoit par le wahi, la révélation. Et le sujet du wahi, c'est un sujet très vaste et très large. Et discourir et expliquer tous les tenants et les aboutissants du wahi en ces quelques minutes imparties est une tâche ardue.
C'est pour cela qu'on s'astiendra à répondre, Inch'Allah, à trois questions et peut-être une quatrième en bonus. La première question, c'est quoi concrètement le wahy? C'est quoi concrètement le wahy? Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a envoyés sur cette terre afin de passer un examen. Il est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui est le meilleur en action. Donc nous sommes là pour un examen. Pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre service l'univers en entier. C'est pour ça que dans le Coran, à plusieurs endroits, on lit وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À chaque fois, Allah nous dit, il a mis à votre service le soleil et la lune, il a mis à votre service la nuit et le jour, il a mis à votre service les cieux et la terre et tout ce que ça contient. Tout l'univers est à notre service. Dès lors, l'être humain a deux tâches à accomplir. La première tâche, c'est de vivre dans son environnement et de savoir utiliser les éléments qui l'entourent à bon escient. Deuxième tâche, c'est en vivant dans son environnement et en utilisant les éléments qui composent son environnement à bon escient, rester dans le contentement d'Allah et les règles qu'Allah a édictées et se prémunir du mécontentement d'Allah. Deux tâches. Pour accomplir ces deux tâches, l'être humain a besoin de connaissances. Sans connaissance, impossible d'accomplir ces tâches. Sans connaissance, il ne peut pas savoir comment utiliser son environnement. Quelles sont les spécificités de ces éléments qui composent sa vie? Qu'est-ce qu'il peut retirer de telle ou telle chose? On ne peut pas tirer de profit s'il n'a pas la connaissance. De la même manière, s'il n'a pas la connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et ce qu'Allah attend de lui, il ne peut pas marcher, il ne peut pas vivre selon le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour recevoir cette connaissance, acquérir cette connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne deux outils. Le premier outil, ce sont nos cinq sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Le deuxième outil, c'est notre raison, notre intellect, notre logique, notre intelligence. Ces deux outils-là ont chacun un domaine d'application bien précis et bien délimité. De telle sorte que chaque outil n'a pas réponse à tout. Et chaque outil ne peut pas aller répondre et aller chercher dans le périmètre de l'autre outil. Chacun son travail. Les cinq sens vont nous donner certaines connaissances que la raison ne nous donne pas. Et la raison nous donne certaines connaissances que les cinq sens ne nous donnent pas. Je vais donner un exemple, on va comprendre très rapidement. Devant moi, on a des hommes et des enfants. Avec mes yeux, je peux dire, je peux voir la couleur de leur peau, je peux voir la forme de leur visage, je peux voir la corpulence et je peux voir la grandeur de ces personnes. Imaginez un instant qu'on me prive de mes cinq sens et qu'on me dise avec la raison, dis-moi quelle est la couleur de ces personnes, leur corpulence et leur taille. Est-ce que c'est possible? Pas possible. Parce que c'était le travail de mes cinq sens. Au contraire, on a toujours ces mêmes hommes et ces mêmes enfants devant moi. Ma raison me dit que ces hommes et ces enfants ont chacun une maman. Et au-dessus de cela et de leur maman, il y a un grand créateur qui les a créés. Ma raison me dit ça. Imaginez un instant qu'on m'enlève ma raison et qu'on me dit avec tes yeux, est-ce que tu peux dire que ces personnes ont une maman et ils ont un créateur? Pas possible. Je ne vois pas le créateur. Et je n'ai pas vu leur maman, leur mettre au monde. Qu'est-ce qu'on comprend? Que les cinq sens, il a son travail, que
la raison a son travail et chacun reste dans son périmètre et son périmètre est délimité. Ils n'ont pas réponse à tout. Mais là, il y a une question essentielle. Allah nous a créés, mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qui attire son contentement? Qu'est-ce qui attire son courroux? Comment faire pour réussir cet examen terrestre? C'est des réponses qu'on ne peut, c'est des questions à qui on ne peut pas répondre avec les cinq sens et on ne peut pas répondre avec la raison. Ce n'est pas possible. Alors imaginez à l'instant que vous êtes le roi et que vous envoyez un de vos serviteurs dans un pays sans lui dire rien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas dans tel pays et puis c'est tout. Il a un travail à faire mais il ne sait pas parce que le roi ne lui a rien dit. Est-ce que c'est en rapport avec la prestance d'un roi et la sagesse d'un roi? Bien sûr que non. Comment est-il possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie sur cette terre pour un but précis, mais ne nous informe pas c'est quoi ce but et qu'est-ce qu'il attend de nous? Sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage parmi les sages. Pas possible. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un troisième outil pour acquérir la connaissance. Et ce troisième outil-là, c'est ce qu'on appelle le wahi, la révélation. Du coup, l'ordre, c'est comme ceci. J'acquiers la connaissance avec mes cinq sens. À un certain degré, je ne peux pas aller plus loin. C'est la raison qui prend le dessus et qui va me donner la connaissance. À un moment donné, la raison va s'arrêter parce qu'il ne peut pas répondre à tout. C'est le wahi qui prend la relève et qui va donner les réponses à ces questions qu'on n'avait pas. Qu'est-ce qu'on comprend par cela? Que si on veut réussir dans ce monde et dans l'au-delà, on doit s'attacher à la révélation, à l'outil qu'Allah nous a donné pour nous faire connaître qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Ça, c'est la première chose qu'on comprend. La deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est que là où la raison s'arrête, on ne peut pas donner de réponse, c'est là que commence le wahi. Ça veut dire que tout ce qui est de wahi, ce n'est pas obligatoire qu'on le comprenne avec notre raison. Et dans l'ordre que j'ai donné, la raison suit la révélation. La raison suit la révélation. Si la raison suit la révélation, ok, pas de problème. Mais dès que la raison prend le courant contraire de la révélation, on laisse la raison et on suit la révélation. C'est ce que Ali radiallahu ta'ala disait. Si le dîn était basé sur la raison, j'aurais fait le massa sur les chaussettes. On a le droit, selon certaines conditions, faire le massa sur les chaussettes. Ça, c'est un truc de masla. On a le droit avec des conditions. J'aurais fait le massa sous les pieds. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le massa sur les chaussettes au-dessus des pieds. Mais comme ça ne marche pas avec la raison, la religion, ça marche avec l'obéissance, je fais mon massa au-dessus. Et c'est ce que le mois de Ramadan nous apprend aussi. Tous les jours, lorsqu'on fait le sihri, on fait le iftar, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous inculquent l'obéissance, que la religion est basée sur l'obéissance, que je comprenne, que je ne comprenne pas. Comment cela? Eh bien, je peux dire que moi, je veux faire mieux pour Allah. Donc, à partir de minuit, alors, sihri finit 5h15, 5h16. Moi, depuis minuit, je mange et je commence mon carême depuis minuit. Le professeur me dit non. Tu retardes au maximum ton sihri. Dès qu'au dernier instant, tu manges. Et après, je me dis à Iftar, moi, j'ai encore la force. Après Taravih, je vais casser mon carême. Non. Tu casses ton carême le plus vite possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu veux faire ce qui compte, c'est ce que Allah et ton prophète a dit. Quand je te dis de manger, tu manges. Quand tu casses ton carême, tu casses ton carême. Parce que le dîn est basé sur l'obéissance. Bref, donc on a compris que la révélation, le wahi, c'est cet outil qui nous permet de connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, qu'il faut appliquer ce wahi-là. Ça, c'est la première question. C'était quoi concrètement le wahi? C'est l'outil qui nous permet de connaître ce qu'Allah attend de nous. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Et qu'il est obligatoire de mettre en pratique. Deuxième question. Du coup,
comment s'est passé ce wahi-là auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand on va regarder dans les hadiths, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et le temps ne permet pas qu'on puisse expliquer tout. On va se contenter de donner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Allah dit donc, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. Il n'appartient à aucun être humain de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf dans le cas où Allah subhanahu wa ta'ala envoie une parole dans le cœur de cet être humain. Wahyan. Ça, c'est le premier type de wahi, de révélation. Ce qu'on appelle le wahi qalbi, la révélation dans le cœur. En effet, il avait certaines fois où Allah subhanahu wa ta'ala envoyait ses informations et des fois des ayats du Coran directement dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en état d'éveil ou bien en état de sommeil. C'était comme ça pour les autres prophètes. Par exemple, Ibrahim alayhi salatu wa sallam, histoire qu'on connaît, il a reçu l'ordre d'Allah d'égorger son fils Ismaïl en rêve. C'était un wahi. On met dans le cœur, Allah met dans le cœur. Ça, c'est le premier type de wahi. Deuxième type de wahi, أو من وراء حجاب, derrière un voile. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète entend la voix. Alors là, la voix d'Allah n'a rien à voir avec la voix des créatures. C'est une voix qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala, sied à sa majesté, on ne cherche pas comment c'est. Mais c'est une parole qui est directe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait l'expérience lors du Mi'raj. Moussa alayhi sallam aussi en a fait l'expérience. Wa kallama Allahu Musa taklima. Et Moussa a parlé avec Allah. Et ça, c'est le plus haut degré de wahi. Et ensuite, le troisième sorte de wahi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala aw yursila rasulan fayuhiya bi'idhnihi ma yasha. Il envoie un messager qui lui transmet la révélation, à savoir Jibril alayhi salatu wa salam, qui vient avec les informations qu'Allah lui a données ou bien les versets du Coran et qui le transmettent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle le wahi malaki, le wahi par l'intermédiaire d'un ange. Et ce wahi malaki par l'intermédiaire d'un ange, il a trois formes. Soit l'ange, on entend sa voix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait sa voix. Soit il venait sous la forme d'un homme, ou bien soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait directement l'ange sous sa forme réelle. Les trois types de wahi. Le wahi par le cœur, le wahi directement en parlant avec Allah subhanahu wa ta'ala, et le wahi par l'ange. Ça, c'est la réponse à notre deuxième question. Maintenant, la troisième question, c'est, du coup, on a compris que c'était un outil pour connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin, attend de nous. On a compris que, comment ça s'est passé avec les trois sortes de wahi. Mais si on a un petit peu l'esprit cartésien, on va se dire, mais comment c'est possible ça qu'un être humain il reçoit une parole du Créateur comme ça? Alors nous, normalement, musulmans, on a le iman bil ghaib, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ça, c'est une croyance primordiale. On a croyance aux choses irrationnelles. Mais malgré tout, peut-être parmi les musulmans, il y en a qui sont influencés par d'autres cultures. Et non, nous, on veut absolument la rationalité. On est cartésien et on veut de la science. Donc la question, c'est est-ce que c'est possible qu'un être humain reçoive des paroles comme ça du Créateur. Au XVIIIe siècle, en Suisse, il y avait quelqu'un qui s'appelait Mesmer. C'était un docteur, Mesmer. Ce docteur-là a fait de son sujet principal l'esprit humain. Et par la suite, il a produit un mémoire dans lequel il a développé ce qu'on appelle le magnétisme animal, dans lequel il avance que c'est possible de prendre le contrôle de la pensée de quelqu'un et de mettre une parole, d'induire, inciter quelqu'un à quelque chose. Ce Mesmer-là, par la suite, il va quitter la Suisse, il va aller s'installer à Paris en 1775. Et par démonstration, il va essayer de convaincre ses pairs, mais il ne va pas réussir. Les gens seront dubitatifs.
Plus tard, en 1846, en Grande-Bretagne, un autre docteur, Dr. James Braid, il va reprendre les travaux de Mesmer, il va pousser plus loin les recherches, scientifiquement parlant, et il va mettre en place les bases de ce qu'on appelle l'hypnose. Et il prouve à ses pairs que c'est possible qu'un être humain, par la force de sa pensée, il peut prendre le contrôle de la pensée de quelqu'un d'autre et mettre quelque chose dedans. Alors bien sûr, dans l'hypnose, il y a plusieurs degrés. Le plus haut degré, c'est qu'on prenne totalement le contrôle d'une personne, de sorte que la personne ne bouge plus, il n'a plus conscience de rien, il est comme un cadavre, on va dire. Mais une des grades, justement, un des grades de cette hypnose, c'est que la personne a toujours le contrôle de ses membres, mais on le fait penser qu'il est quelqu'un d'autre, par exemple. Et il se comporte comme cette personne-là. Et scientifiquement, cela a été prouvé de la sorte que ça a évolué, bien entendu, ça a continué de telle sorte que maintenant, il y a des gens qui font des spectacles d'hypnose. Donc, il y a un gars qui s'appelle Mesmer, vous avez dû voir peut-être sur les vidéos, c'est pas le Mesmer le premier, il a pris un nom d'emprunt et il fait des spectacles d'hypnose. Maintenant, on soigne des pathologies avec l'hypnose, notamment l'hypnose érectionnelle, et c'est accepté par la science. Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Parce que chez les soufis, ce fait de prendre le contrôle de la pensée et mettre quelque chose dedans, ça existait déjà. Ça s'appelle le tasarruf khayali. Ça existait déjà chez les soufis. Où quelqu'un prend le contrôle de la pensée et met quelque chose dedans. Donc la question c'est, si Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la capacité à des êtres humains de s'approprier la pensée de quelqu'un et de mettre ce qu'ils veulent dedans, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable lui-même de donner sa pensée, donner ce qu'il veut dans l'esprit, dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Subhanaka hadha buhtanun azim. Jamais c'est un mensonge chez Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr qu'Allah est capable. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et on vient le démontrer par la logique et la raison. Après ce petit exposé-là, on voit, on a compris qu'on a besoin de cette révélation, on a besoin d'obéir à cette révélation, et on est sûr que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le wahi matlou qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Eh bien parce que la différence justement entre l'hypnose et le wahi, c'est que l'hypnose, on peut se faire hypnotiser. On aura la sensation, on pourra comprendre. Le wahi, c'est réservé exclusivement au prophète alayhi wassalatu wassalam. Il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de wahi. Donc on ne pourra pas savoir exactement comment c'est. Par contre, là où l'hypnose et tous les moyens de communication ont une possibilité d'erreur, le wahi, c'est le moyen de transmission le plus sûr qui existe dans l'univers, qui est implacable et qui est implacable. Car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit qu'il parle directement, qui parle, qui dit plus la vérité qu'Allah? Personne. Lorsqu'Allah envoie un ange, qui va désobéir à Allah? Est-ce qu'un ange désobéit à Allah? Jamais. C'est pour ça Allah dit « La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid » Que le faux ne le pénètre pas, c'est-à-dire la révélation, ni par devant ni par derrière. Tanzilum min hakimin hamid, c'est une révélation qui est faite du sage et du digne de louange, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à la lumière de ces quelques paroles-là, et le but sera été de ramener le yaqin, la conviction sur la révélation, notamment sur la révélation matlou, le Qur'an, pour que nous l'emmenions dans notre vie, que nous l'appliquions. Mais une question qui subsiste, c'est la question bonus. Ok, c'est arrivé au prophète, la révélation matlou, mais comment on est sûr, nous, ce qu'on a là aujourd'hui, que c'est bien ça, que ça n'a pas été falsifié? Autrement dit, comment on peut être sûr que le Coran a été préservé depuis l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous? Ça, c'est la question. Qui veut avoir la réponse à cette question? Levez le doigt.
Si j'ai 100 doigts levés, je peux faire quelque chose pour vous. Qui veut avoir réponse à cette question? C'est bon, Inch'Allah. La réponse à cette question, dans le prochain épisode, Inch'Allah. C'est-à-dire, jeudi soir, lorsque mon collègue va prendre la place et il va expliquer, Inch'Allah, comment la révélation, le wahi matlou, a été préservé et arrivé jusqu'à nous, de sorte que nous l'emmenions. Le but, ce n'est pas juste de savoir, c'est de mettre en pratique. Alors, qui sera là jeudi soir? Pas pour manger, hein? Pour le khatmul Qur'an et pour connaître la fin de l'histoire. Qui sera là, Inch'Allah? Inch'Allah, Inch'Allah, Amin. Inch'Allah, on a dit Inch'Allah. Au pire, l'enregistrement sera disponible, Inch'Allah. Veillez avec Bilal Chossia, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre ces quelques paroles, fasse qu'on mette en pratique, qu'on fasse que propager. Amin, ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi Rabbil Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذابك وسخطك ومن النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.